Je dois faire de l'histoire de l'art. Et c'est qui d'abord ce Picado? Picasso. Bah c'est ce que j'ai dit, hein. Excusez-moi, Brittany voudrait avoir votre avis sur cette œuvre d'art. Maintenant que je suis devenu expert en art, j'en pense que c'est... Ce qui, en langage de l'art, veut dire... que c'est burk. D'accord, écoute. C'est elle qui l'a peint, et maintenant elle nous espionne par la fenêtre. Ah, on te voit en train de nous espionner par la fenêtre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Attends, non, surtout ne dis rien. Je suis beaucoup trop vulnérable. Oh, en fait, si tu peux me dire... Non, ne dis rien. Allez, dis-moi, fais vite. Brittany, tu veux bien nous laisser une petite minute? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Je déteste. Peut-être que quelque chose nous échappe. Y a pas moyen d'y échapper. C'est super bizarre et terriblement... Génial. Eh bien, allons trouver Brittany pour lui dire à quel point son joli point est au point. J'ai entendu. Vous trouvez ça génial? Attends. Quoi? Ne panique pas. Mais tu as fait une tache de peinture sur ton haut préféré et... C'est dingue ce que tu peux être intéressé par des choses aussi superficielles que la mode. Hein? Oui, moi par exemple, j'ai eu ce que l'on appelle une révélation. Pas plus tard qu'hier matin. Marina Rodentia, que pouvez-vous nous dire des tendances qui se dessinent cette année? Eh bien, c'est-à-dire... Alors, qu'est-ce qu'on va porter? Des t-shirts ou des bustiers? Ou des hauts à fil bretelles ou des... Chérie, vraiment? La mode? Qui s'intéresse encore à la mode de nos jours? Quoi? L'art est tendance. Quelque chose qui a une âme. Chercher au plus profond de soi à trouver la beauté intérieure. Oui, c'est ce que je veux aussi. Alors, on en achète tout? Voilà, il paraît que ça ne s'achète pas. Il suffit d'y penser très fort et ça se fait tout seul. Et regardez, c'est ce que je fais. Et cerise sur le gâteau, vous trouvez que mon art est génial. Oh, que c'est excitant. Nickelodeon Junior, en exclusivité sur CanalSat et Numéricable.